Ouh, ben t'es donc, ces effrayés la diaspora. Mais si, c'est plus une chambre, c'est un jardin. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il y en a des trucs, je te raconte même pas. Oh là là! Ben dis donc, qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, on peut dire qu'il y en a des choses ici, hein? Il y a des arbres. Là, il y a deux petits nouveaux, là. Je sais pas comment ils s'appellent, c'est marqué dessus. Ah oui, il y en a, je me rappelle ce que c'est, voilà. C'est un sorbier. Oui. Je sais pas c'est lequel le sorbier. Ça, c'est Pseudocydon sinensis. Ok. Ah, et lui, qu'est-ce que c'est lui? Je veux voir qu'est-ce que c'est. Celui-là, c'est Sorbus. Ah, ça, c'est le sorbier. Domestica. Et l'autre. Pseudocydon sinensis, je sais plus ce que c'est. Tu regardes sur Internet? Tu regardes sur Internet, tu verras. Bon. On en a plein de trucs, des sauces, des sauces, des sauces. Madame, j'ai des trucs à faire. Bon. Il va falloir que je fasse de la place. Parce que j'ai mon meuble. Il faut que j'en rajoute des poignées sur mon meuble que j'ai trouvé dans la rue. C'est pas les poignées que j'ai trouvées dans la rue, c'est le meuble. Mais il y en a des trucs partout, de chez partout. Comme tu vois. Il y en a des trucs partout, partout, vraiment partout. Donc je te laisse, je vais faire un petit peu de chamboulement pour déplacer le meuble, pour voir si je mets les petites poignées sur les portes. Parce que quand j'ai trouvé le meuble dans la rue, il n'y en avait pas de poignées sur les portes. Et comme le meuble est en très bon état, faut réparer ça, je te dis à tout à l'heure. Ouh, c'est trop mignon, il y en a des petites maisons partout. Ah, c'est pour les oiseaux! C'est ça, il y a des petites maisons pour les oiseaux, des petits nichoirs aussi. Ouh là là, c'est trop mignon ça. Des nichoirs, des maisons, oh c'est beau. C'est trop mignon. Les effrayés de diaspora, tu as bon cœur pour les oiseaux. Bon, je te reprends. Ben déjà, on a dégagé le passage là, tranquille. Bon, on va pouvoir tirer le meuble vers moi, je vais le tirer vers moi le meuble. Comme ça, je vais essayer, voilà, j'aurai pas besoin d'enlever les plantes qu'il y a au-dessus, là, les palmiers et tout ça. Hein? Donc, je le tire et je te reprends. Bon, ben, ça y est, j'en ai tiré le meuble, ok? Maintenant, j'ai tiré le meuble. Ben, le meuble, en fait, vu comment il était mis, rangé, là, on peut pas ouvrir les portes. Mais ça, c'est pas grave, parce qu'on s'en sert pas. Il y en a des choses dans le meuble, ça, c'est sûr. Les portes, on les ouvre pas, donc c'est pas un problème, mais je veux quand même qu'il soit complet. Parce que comme il est en bon état, le jour où je veux le redonner à quelqu'un, comme ça il sera entier. Et si je peux même le revendre un jour, je le revends. Parce que tellement il est propre, tellement il est bien, je l'ai nettoyé tout ça. Il n'est pas abîmé et tout ça, mais ça peut se revendre. Ou ça peut s'échanger contre un arbre, hein, si tu veux l'échanger contre un arbre. Mais pour l'instant, j'en ai besoin pour poser mes plantes. Donc voilà, tant que j'ai pas tout replanté dans le jardin, mon meuble, je le garde. Pas la peine de venir me le demander. Moi, je te reprends, je vais essayer de voir ce que je peux faire avec les poignées. Bon, les poignées, elles sont pas exceptionnelles, hein. J'ai des petites poignées comme ça. Cabinet de Knob. Voilà, c'est poignée de placard. Cabinet de crobe. Bon, ben, on va essayer. Ah, c'est poli. Il y a marqué c'est poli. Ah, c'est bien la politesse. Bon, je te reprends. Bon, ben, j'ai bien raison de vouloir mettre des poignées parce que pour l'ouvrir les portes, le jour où tu as besoin d'ouvrir les portes, c'est un petit peu compliqué. Donc, je te reprends. À tout de suite. Regarde la poignée, c'est comme ça. Voilà. Comme ça, la poignée. Voilà, c'est du noir, ça va faire très bien. Hein.
J'ai du noir, ça va aller très bien. Il n'y a pas de problème, je vais mettre ça, je te reprends. Ah, les vis, elles sont trop courtes. Je m'en doutais un peu. Bon, ben, il faudrait que je trouve des vis, hein, en espérant que j'ai des vis comme ça. Le même diamètre, le même filetage, à peu près. On va essayer de trouver ça, je te reprends. Bon, ben ça y est, on a trouvé la bonne taille de vis, hein, c'est très bien. Alors, ça donne comment ça? Oh, ben c'est trop mignon ça. Ben voilà. C'est bien. Ça fait le travail. Voilà. C'est très bien. Ça fait vraiment le boulot parce qu'elle est épaisse cette porte quand même. On dirait pas qu'elle est épaisse comme ça. Et ben voilà. Donc ça y est, j'en ai mis une. J'ai même pas eu besoin de tournevis. Ça se met tout seul tranquille. Je vais mettre le deuxième ici. Hein, tant qu'à faire. Hein? Et j'ai trouvé quatre vis parce que j'ai quatre poignées. Mais c'est bien. On va pouvoir travailler sérieusement. Comme ça, j'ai deux vis d'avance. Si j'ai besoin de poignée pour autre part. Il est bizarre avec la mise au point ce téléphone là. Bon, je te reprends. Eh ben ça y est. Tout est au grand complet. Je vais fermer ça. Tu regardes pas la marque de mes chaussettes, hein. Et... Ah ben voilà, c'est tout bien, tout propre. Wow. Je m'assois sur mes plantes. Pas je casse mes plantes quand même. Et voilà, hop. Il va pas faire la mise au point, il est compliqué lui, hein. Il se complique la vie, on va voir comme ça. Voilà. Là, c'est propre. Oui, c'est quand je fais le focus sur la poignée, ça marche pas. Parce que ça reflète, tu vois. Faut faire le focus sur la porte, autour de la poignée. Bon, bah c'est très bien là. C'est hyper propre. Je suis trop content. J'ai un meuble comme ça, il y en a des trucs, je sais pas, on dirait un meuble de bar, un meuble de je sais pas quoi. Un meuble qui est dans un restaurant. Tu ranges les serviettes, tout ça. C'est trop rigolo. Et à l'intérieur, il y en a de la place comme ça. Il y avait une étagère. Mais j'ai pas mis l'étagère. Il n'y en a pas besoin. Parce que c'est pas vraiment très haut. Ça fait 60 cm, je sais pas. Donc voilà. Eh ben, je vais pouvoir ranger. Hein. Bon, alors si toi aussi tu récupères des cages à oiseaux comme ça, que tu as acheté dans le magasin, tu fais attention. Parce que en fin de compte, ils supportent pas les intempéries en général. En tout cas, elle est comme ça. Et comme ça peut-être, mais de toute façon, vaut mieux pas tenter le chétan, comme on dit. Donc tu le mets à l'abri des intempéries et tu le mets perché. Et voilà. Et comme ça, les oiseaux, s'ils ont envie de venir, ils viennent dedans tranquillement. Bon ben, je te fais un gros bisou, je te dis à bientôt. Moi, je vais ranger les vis avec mes deux poignées qui restent là-dedans. Deux poignées d'avance que j'ai payé pas cher. Et voilà, comme ça, et ben on est tranquille. Je te fais un gros bisou, je te dis à bientôt. Te prends bien soin de toi, tu as compris? Ciao, ciao! Ah oui, j'ai oublié, si tu veux souscrire, tu souscris, tu veux pas souscrire, tu souscris pas. Tu veux mettre un pouce, tu mets un pouce, tu veux pas mettre un pouce, tu mets pas un pouce. Si tu veux mettre un j'aime, tu mets j'aime, tu mets j'aime, t'aimes pas, tu mets j'aime pas. Si tu veux pas partager, tu partages pas, tu veux partager, tu partages. Et puis voilà. Et si tu veux mettre un commentaire, tu mets un commentaire. Et je te dis à bientôt. Ciao!